Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur gameplay sur Alien Isolation. C'est un jeu d'horreur comme un peu Lilo's Fizz, comme que Jimmy a joué tantôt à Lilo's Fizz, que ça c'est encore vrai, c'est vraiment un jeu basé sur un film qui s'appelle Alien le 8e passager. Dans le fond, c'est vraiment basé sur le film. Dans le fond, c'est que il y a un monsieur qui s'en va sur une planète, dans le fond, qui après ça, il se fait attaquer par un bébé alien. Puis le gars, ben, dans le fond, il est rendu avec l'alien dans le ventre. Puis après ça, ben, l'alien sort du ventre du gars. Puis après ça, ben, dans le vaisseau, ben, il y a l'alien. Puis on est infecté d'alien. C'est pareil que dans le jeu. C'est pareil, pareil. Alien, il y a 4 films. Ouais. Moi j'ai vu les 3. Le 4, j'ai jamais vu. Moi j'ai vu l'alien du tien passage. T'as rien vu le premier? J'ai vu le premier. Ouais. Donc, on vous montre ça tout de suite en live sur Alien Isolation. Oh, c'est qui Khalid? Je vais calibrer. Mais c'est moi, je suis pas capable. Je te peux tout calibrer. On va dire le mieux là. Ouais. On va se mettre dans une ambiance. Vas-y. Horreur. Dans le fond, je parlerai en normal. Dans le fond, on parlera plus. Ça va vraiment être la magie du jeu qui va apparaître. Dans 3, 2, 1, je parle plus. J'ai regardé ce que les voix j'ai pas vu. À moins qu'on commence du truc où que quand je débarque dans du vaisseau. Sinon ça devrait être long. Non, faut jouer normal. Alors c'est beau. Au moins qu'il voit c'est quoi le début du jeu. Alors c'est beau. De toute façon, je pense pas que c'est la seule vidéo sur Alien que tu vas faire. Peut-être pas. Non, je sais pas que c'est cette vidéo là. Bon, là, tu feras un petit peu. Donc là, dans le fond, on va aller dans la salle qui s'appelle. On va aller parler à Samuel. Dans le fond, c'est ça, c'est ce bonhomme-là. On va aller parler tout de suite. Samuel, vous êtes déjà debout? Bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil. J'ai toujours des installations. Les graphiques, c'est tellement bien fait. Oui, tout bien fait. Et bien sûr, comme vous pouvez constater, la petite boucane aussi qu'il y avait dans le tour que j'ai passé par ici, d'après si je regarde la petite boucane d'ambiance. Ça c'est super excellent. Je fais des boulots de méca sur des appareils comme ça. Parce que vraiment, faut se dire qu'à l'innovation, je pense que c'est un jeu sur PS4 qui avant qu'il sorte. Qui était où ce que les graphiques ont été augmentés un peu plus que les autres jeux normaux. Ouais. Comme Second Son. Ils ont vraiment refait les graphiques aussi. Le Second Son, je vais te le montrer, mec, là, c'est n'importe quoi. Non, c'est mon nom qui l'a. Ça consomme. Oh, je me suis comme donné un petit peu à cœur lousse. Vous pouvez constater, j'ai vraiment passé tout droit. Ah, si je me trompe pas, c'est par là. Non. Non, c'est. Vous pouvez constater, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Alien Isolation. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'on va peut-être faire des choses avec vous autres. On va passer aussi les cinématiques parce que, bien sûr, ça va trop être long. Sauf les services intéressants. Parce qu'il y en a qui sont intéressants. Ouais, bon, ça entend ici. Ouais. Bonjour. Mais bien sûr, dans le jeu, vous devez vraiment fouiller. Vraiment fouiller comme que je suis là. Dans le fond, il faut vraiment vous fouiller parce que ça peut vous donner aussi. Vous pouvez aussi faire des schémas de fabrication. Vous pouvez fabriquer beaucoup de choses. Des medikits, des grenades fumigènes, des grenades aveuglantes, des cocktails Molotov. Si vous voulez voir comment on fait ça, dans le fond, vous pouvez aller voir aussi Squeezie qui est en train de jouer. Lui, il est aussi tapette que moi. Lui, c'est une vraie fille. Je vous dis, c'est une vraie fille. En fait, de la publicité pour Squeezie. Mais vraiment, les chamois,
Faut vraiment que vous fouillez la station à Sébastopol comme il faut. Parce que bien souvent, les chameaux, ils sont cachés dans des pièces où il faut des codes. Mais bien souvent, l'alien vous fait chier. C'est ça, mais c'est pas grave, parce que vous faut toujours que vous y allez. Oui, donc là, dans le fond, on est vraiment arrivé à Sébastopol. Donc, dans le fond, là, bien sûr, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment la foule qui était vraiment dans le film qui est encore là. Mais vraiment, ce qui est chiant n'est pas dans le jeu, c'est que t'arrives, ton objectif à faire, t'as fait, puis en échappant à l'alien, bien sûr. Mais ça, faut que tu fasses un autre objectif, mais l'objectif qui est à l'autre bout de la carte apparaît encore, mais au début de la carte. Ouais. Ça fait que t'es obligé de t'appuyer tout le chemin avec l'alien pour aller faire ton objectif. Ouais. Vas-y, on va encore t'en donner un autre qui va apparaître encore à l'autre bout de la carte. Fait que vous avez plus d'objectifs à faire à chaque bout de la carte, l'objectif vous va faire chier. Dans le fond, c'est comme un mode aventure ménagé avec un mode survie. Ouais. Style. Puis il n'y a pas de sauvegarde automatique. Ça, il n'y en a pas. Faut vraiment que vous trouviez des téléphones, dans le fond. Le téléphone, dans le fond, ça sert à une sauvegarde. Ça, on trouvera, on vous montrera quand même. Ouais. Donc là, dans le fond, on est arrivé à Sébastopol. Donc là je vais aller ramasser mon briefing parce que là, c'est sûr que je ne prendrai pas mon temps. Ouais. Bon, ça, en penses-tu? Ouais. C'est pas intéressant. Donc là, dans le fond, on a passé la cinématique. Donc on va en fait, pour résumer la cinématique, ils demandent s'ils peuvent atterrir. Puis ils n'entendent pas la fréquence radio. Donc ils vont voir ce qui se passe. C'est sûr pour ces articles qu'on m'a fait un résumé. Donc là tout le monde, c'est maintenant que l'action commence. Ben oui, excusez, c'est mon article qui est passé pas mal. Non, mais de toute façon, il passait pas. Il y en a, non, il est passé pas, mais il coupait des bouts. Ouais, c'est quoi, c'est vrai? Il coupait pas mal, hein? Mm. Je prends pas. T'as dit aussi long que le téléchargement de l'université. De Destiny. Là, tout le monde, c'est là que l'action commence. Nous sommes maintenant rentrés dans Sébastopol après une explosion. Donc, on est séparés de Taylor et de Samuel. En fait, les deux personnes qu'on est allé voir tantôt au début dans le torrent. Mais avant, on est arrivé de là. On doit rentrer dans sa place-là. Mais le problème, c'est qu'on doit se changer. Et la fois, la mission se trouve là-dedans. C'est marqué objectif, mise à jour, trouver de l'aide. Il faut vraiment qu'on trouve de l'aide. Et c'est là que l'action commence. Là, en plus, l'ambiance du jeu est fou. Là, tatoué. Ok, c'est mon gameplay. Ouais, mais moi, je parle aussi parce que tu parles pas de tout. Donc, l'ambiance du jeu est vraiment bonne. Et puis, vraiment, des fois, on fait des sauts où ce qu'on s'y attend pas. Donc, comme vous allez constater, je vais fouiller pas mal des pièces parce que bien sûr, faut que je trouve quand même, faut vraiment qu'on trouve. Oh, what the fuck, ça je me rappelais plus. Ouais, t'as bien raison, replay. Oh! Ça va être bizarre par exemple. Ah, c'est ça. C'est vraiment des places que j'ai pas fouillé. Hein. Même toi, t'as pas fouillé ici. Ouais. Je pense qu'il y a rien. Non, il sait qu'il y a rien. Excuse-moi si je fouille, parce que sérieux, je veux vraiment obtenir beaucoup, je veux vraiment avoir des affaires. Donc là, c'est parti, nous commençons à explorer le Sébastopol. Non, c'est vrai. Oh, putain de merde. Ça me rappelait. Hey, mange la merde. Oh, putain. Est-ce que j'ai goûté de pire? Pis si j'ai oublié de goûter. Oh putain! Comme vous avez pu le constater, j'ai fait un saut, oui tout le monde. La fois on a passé l'autre côté du feu.
Si vous avez un ami super peureux, vous plaquez devant le jeu, vous le faites jouer, vous le regardez faire des sons, c'est hilarant. Ouais. Comme vous pouvez constater, j'ai trouvé quelque chose. Dans comme là, en fait, qui va te permettre de fabriquer des trucs. Ça, on va même dire ça. Ouais, non, ça, c'est bon. On se là-dessus. Faites pas le saut. Ah oui, on a aussi oublié de préciser, dans le jeu, il ne faut pas que vous fassiez trop de bruit, sinon ça attire notre nouvel ami, l'alien. Moi, j'appelle mon petit chat parce qu'il me suit comme un chat. Ah, c'est vrai. Là, ils me disent que je peux ouvrir mon inventaire, comme vous pouvez constater, j'ai rien. Mais là, comme que je vais vous faire peur, je ne mettrai pas ma fumigène. On a fond, je ne mettrai pas. Parce que oui. Je vais ouvrir ça, mais je vais aller fouiller là-bas parce que je sais que là-bas il y a un coffre. Ouais. Les fumigènes, ça aide spécialement à vous éclairer. J'ai une place qui est vraiment très sombre, là, qu'on va peut-être voir. Oh, c'est le gars. Carburant, de l'étalage, encore une autre fumigène. Dans la fond, maintenant je suis rendu à deux fumigènes. En fait, si je pourrais, je peux l'utiliser direct là, mais je vous montre dans les tirs. J'ai sûr, je vais l'utiliser à des places qui vont faire vraiment noir. Ces autres de jeu là, on connaît quand même pas mal les places. C'est pas besoin, on connaît vraiment pas mal les places. Ouais, c'est ça. Bon, après, j'ai quasiment tout ramassé qu'est-ce qu'il y avait de best. Ouais. Là, on est à 11 minutes. Ouais, 11 minutes, je check sur le reflet de la TV. Ouais, tu vois ça, toi? Ouais. Bien sûr, faut peut-être des yeux d'homme, faut peut-être des yeux de femme, hein, Jimmy? Pas chier. On va ramasser. Ouais, et... Ben, faut pas être trop tapette aussi, hein? Non, moi ça me dérange pas d'aller. Et c'est là que. Hey, je n'en reviens pas, man. Ils se font chier, man, à jouer à Xbox One. Ouais. Faut juste à Xbox One. On sait ce qu'il faut, ça. Je pense que ça vient, on est juste à Xbox One. Et bien sûr, vous devez aussi actualiser votre carte. Donc, si vous voyez ça, faites ceci. Ça va actualiser votre carte, comme vous pouvez le constater. Tantôt, j'avais pas ça. Il faut que vous deviez pénétrer dans cette zone-là. Vous devez re-sauvegarder, dans le fond. Vous faites toujours oui. Mais si vous faites non, la sauvegarde ne marchera pas. Ah, ça, ça doit être fatigant, fait. Je sais pas, mais j'ai chier qu'à fin de jeu, la séance avec un tabarnak de gros poignets. Ouais. Dans un temps comme ça, faut que vous fouillez parce que des fois, vous pouvez ouvrir des choses. Donc, il dit, bon, vous avez aussi fouillé les ordinateurs pour quand vous les ouvrez. Tout, 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 tout. C'est plus constaté, il y a du monde qui a passé. Je vais aller dans cette salle-là. Là, tu tombes de pièce. Non, je sais, parce que je fouille. Ah, c'est là que je suis arrivé. Check. Ah, c'est ici. Ouais. C'est ici. Ici, puis là, à l'autre bout. Ouais, mais avant d'aller à l'autre bout, il y a une porte que tu peux ouvrir. Et où? Avance. Puis là, c'est la porte qui est juste là. 0340. Ça, je le savais. Là. Il y a plein de musiquettes. Donc, c'est ici, comme vous avez pu le constater, on a ramassé, comme vous avez pu le constater, déjà un medikit. On va même aller se le fabriquer tout de suite. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi le code de la porte? Pour ceux qui n'ont pas le temps de l'avoir, c'est 0340. Donc, 0340, juste pour être sûr de répéter. Donc, vous marquez 0. Donc, 0, 3, 4, 0. Ouais. Vous marquez donc, 0, 3, 4, 0. C'est ta gueule. Donc, vous marquez ce code-là et vous pouvez aller chercher le plan pour les médiquer. Et ceux-là qui veulent l'utiliser tout de suite, les médiquer, vous pouvez le faire, mais moi, je l'utilise vraiment en cas de dernier recours, vraiment. Comment si je ne prends pas cette. On va peut-être faire un saut. Parce qu'on peut dire. Que l'alien, c'est pas la seule menace qu'il y a à bord du vaisseau. Non, il y a aussi des androïdes, mais dans le fond, au début, les androïdes sont bien gentils avec nous autres, sont vraiment gentils, mais après ça, là,
ouf, attachez votre tuque, parce que, ouf. Il y a l'alien, il y a des putains d'androïdes, il y a aussi des humains, je crois. Ouais, on a aussi des humains. Ouais. Donc, les trois menaces que vous pouvez rencontrer à bord sont l'alien, des androïdes et des humains. L'ennemi principal que vous allez rencontrer, ce sont les androïdes. Et l'alien. Le plus souvent, l'alien. On peut constater, le Torrens vient de nous voir. Il nous voit pas, d'abord, il est en train de nous chercher, puis il ne nous trouve pas parce qu'ils sont trop pauvres pour savoir plus de luminosité. Vous montrez, il ne nous voit pas. Même si je suis le seul gars, il ne nous voit pas. Vraiment, vous montrer si vous voyez, là, regarde tout le monde, vous avez vu là. J'ai lancé mon, ma fumigène, comme vous avez pu le constater, il ne nous voit pas. Puis oui, Jimmy, on est à 12 minutes. Il est à 15, ça je sais. Comme d'habitude, vous devez faire toujours vos petites pipes. Comme ça. J'imagine pas le premier qu'elle doit se faire à la fin. C'est pas ma chef là que tu voudrais sa montre parce qu'elle nous dit belle montre. C'est vrai qu'elle a une belle montre. C'est un gros cas, moi je vois pas pourquoi. Oh, what the fuck! Oh, c'est bon! Donc, elle vient de voir un homme passé. Oh putain, man! Je me rappelais plus. Plus tard, vous allez savoir c'est qui fait ça. Oh oui, plus tard. Mais pour l'instant, on ne voit pas c'est qui. Et, comme d'habitude. Vous allez savoir si c'est alien, est-ce que c'est un androïde, est-ce que. Je vous le dis pas parce que je vais pas vous gâcher le punch. Et c'est là que ça commence. Si je me trompe pas, oui, c'est cette part-là. Bon, on va prendre l'étiquette du métro. Ding, on est parti. Tout est en train de partir en morceaux. Comme le tannin. C'est sûr que je vous fais un petit génie un petit peu. C'est un peu niaisé. Je pense que je suis capable encore de prendre l'or. Je suis pas capable. Machine. C'est pas le génie. Donc, il y a tout le monde ici, je vous conseillerais de ne pas faire de saut pour ceux-là qui ne s'attendent pas de voir ce qui va se passer. Faites pas le saut parce que dans pas long, on va perdre le courant. Puis, on va voir. Ben, j'ai une petite boîte dans le fond. Donc, c'est dans pas long, c'est dans 3, 2, 1, maintenant. Comme Squeezie, là. Quand Squeezie l'a vu, je peux vous le dire qu'il n'y a pas aimé ça. Parce que Squeezie, le pire, c'est que c'est vraiment pas se parler les jeux, en plus. En tant que ça, j'avais vu quoi ici, pour que je pouvais en danser. Non, c'est moi qui l'ai. Je m'entends pas, d'abord, faut que j'aille là-bas. Ouais, je pense que Squeezie avait quand même fait 11 émissions de l'année dernière. Ouais, il a fait 11. Ouais. Non, 12. Ah oui, 12 plus la French Kiss avec l'alien avec l'Oculus. Ouais, mais sinon on va juste le haut. Je vais pas tout là-bas pour aller, aller voir les autres affaires là. Je vais aller par là-bas. Ouais. Vous dites par là-bas, où ça par là-bas. C'est, moi et Jimmy on se comprend, sérieux, parce que je vais quand même pas tout montrer qu'est-ce qu'ils vont faire non plus. Fais pas ça! Ouais. Ah! C'est bon! Fais pas ça, c'est toi qui fais le saut! Ah, c'est fait! Et oui, ici, c'est des cadeaux. Ça, c'est des cadeaux. Ça sert à rien d'aller où ce qu'on voulait aller, parce que de toute façon, de l'autre bord de la pièce, toutes les portes sont barrées pareil. Ouais,
Et ouais, puis on doit aller les déverrouiller avec notre. De Yanni, puis. C'est par là. Vous devez dire, tiens, hein, va te sauvegarder. On va attendre. Faites-nous confiance. Moi, j'ai passé le jeu. Elle tienne pas encore. J'ai passé, moi. Quoi, tu dis que t'es plein de place. J'avais déjà passé parce que j'étais encore pris à la même place que j'étais avant. Ah, ok. Et moi, j'allais passer. Donc, normalement, de passer le jeu, donc on sait quand c'est le temps de se sauvegarder, puis quand c'est pas le temps de. Non, ça faisait plus partie de la vidéo. C'est pas la mienne qui a roté, non, c'est vraiment moi parce que j'ai mal au ventre. Ça a des autres trucs qui. Là, écoutez ça, ce petit bout là, là c'est quand même. Oh, il y a plus de quoi ramasser ça. Et voilà. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Effectivement. Oh, ouais, effectivement, dans le fond, oui, vous devez peut-être dire ah, mais vu le go, utilisez-le tout de suite, là, tu sais, pour tuer, pour attaquer du monde, tout ça. Non, malheureusement, on peut pas tout de suite. Et puis, franchement. Oui, on peut donner des coups avec, ouais. Mais c'est pas de dire contre l'alien, vous avez aucune chance. Non, effectivement, vous avez aucune chance contre l'alien, parce que l'alien, sérieux, il est ben trop fort, puis il est blindé. Ça, mais, moi, pour moi, je dis qu'il est blindé. Je sais pas pour Jimmy, comment il dirait ça, là, pour l'alien. Et du coup, on peut débarrer toutes les portes. L'alien n'est pas blindé, c'est un animal, donc il a peur du feu. Bon, du coup, vous devez utiliser un lance-flamme. Moi, je l'ai pas encore tout de suite parce que. Ouais, pour le gameplay, je l'ai pas encore. Le lance-flamme, vous l'avez plus tard. Là. Vos armes vont être débloquées plus tard. Pour l'instant, t'as l'outil de maintenance. Ouais, pistolet. Un pistolet, une mitraillette, un lance-flamme, un fusil à pompe. Oh, une mitraillette. Ouais. Non, pas une mitraillette pantoute. Mais c'est ça. Ouais. Revolver, fusil à pompe, lance-flamme, pistolet à clou. Et c'est je ça. Sais pas ce que c'est tout. Ouais, ben, c'est tout. Le reste, c'est des cocktails molotov et des grenades fumigènes qu'on peut faire en ramassant des plans. Des plans, des schémas, ben non. Ouais. Comme ici, là par exemple, je pense qu'en droite. Non, c'est pas là. C'est pas là tout de suite. T'es vainqueur! Non, c'est pas vrai. Ah, c'est le chameau. Tu es dans une place, t'en regardes à droite, puis il y a un chameau. Donc, tout le monde, cinématique dans 3, 2, 1. Vous allez voir, c'est qui suivait Amanda Ripley. Avec deux collègues. On a fait une VA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? Qui gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. C'est ça, au jour de chance. Donc, c'est grave là pour passer, pour vous montrer un peu
qui allait donner des informations un peu. Il y avait quelqu'un sur la station qui s'appelle Axel. Puis que... Donc c'est lui qui nous a suivis tout au début. Ouais, puis qu'il y a des survivants à bord du vaisseau. Fait que ça, on est à preuve, Axel, c'est un survivant. Tabarnache. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Jana, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Il faut juste que Zali y fasse, non? Ça, c'est James. Moi, c'est Inigo. Donc, nous deux, Zali, sont morts. Et voici maintenant notre amoureux. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que nous autres, on n'a pas besoin d'accès, on a besoin du pistolet d'accès. Ouais, moi, on a besoin du pistolet d'accès. Moi, je me suis dit, donne-moi ton pistolet. Donne-moi ton pistolet, moi, je vais t'attaquer, mon putain de merde. Vous devez peut-être dire, oh, gang de cave. Oui, gang de cave. Vous devez dire, tiens, c'est parce qu'elle est en plein. T'es en plein vidéo, tu construis ça. Oui. J'en ai besoin. Quand on a peur, nous autres, on dit des conneries. Oui, trop peu de ça. Je parle un peu. Ah, mais pas beau. Tu as dit qu'on reparle de tantôt? Non, pas tantôt. Ah, mais après, c'est ça. Pas de faire le saut. Ah! Oui, puis après, c'est pas bon de l'arrêt. C'est rare bon de l'arrêt. Oh, merde, je me sens en mienne. Calme-toi. Ah, oui, c'est mon bouton, frère. Non, c'est pas que ce que tu parles. Tu me dis ce qui se passe ici. Et tout de suite. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Je te jure, c'est qu'il dit ça. Tueur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est ici. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Wow, des beaux cheveux. Puis un beau tout pète aussi, hein? Ah ouais, hein? Et c'est là que l'action commence. Toi, Jimmy, tu peux te faire vidéo? On a 27 minutes. Oh putain, il est en plein de ce goût-là. Tu me vois plus. Ok, c'est bon, je vais me gueule. Je te suis pas, me mettre dans le cul. Tu l'as dit, toi, live sur Xbox. Live? Le lag? Non. Parce que sur PS4, on a un bas, quand on arrive à la fin du conduit, Axel passe au travail. Genre, il arrive, le conduit prend le temps de s'ouvrir, mais Axel, il passe au travail. Non, moi, j'ai pas le live. Voici le petit plan qu'a Axel. Je peux te ramener qu'est-ce qu'il y a là. Là-dedans, qu'as-tu dit? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Si tu veux, t'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire. Ah! Oh, excuse-moi, mon majordome est en vacances. Ça va faire une semaine que je me tiens ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. Hein, tu veux pas aimer ça?
Donc là, j'ai plus de piles. Après, on va utiliser nos piles. Comme ça. Non! Niaiseux. Donc, ça, c'est le téléphone dont vous parlez au début. C'est pour sauvegarder. La cause, mes piles marchent pas. C'est là que j'ai fait de pas correct. Faut que tu t'aimes Y. Hein, je m'en rappelais plus. Ouais. Je m'en rappelais plus. Quand vous voulez voir cet site fait vraiment noir, puis faites attention parce que vos piles, bien sûr, ils se. Et maintenant, ils se déséconomisent. Donc, dans le fond, il faut vraiment que vous faites très attention, dans le fond, à vos piles. Donc, je vais aller chercher le conduit, si je ne me trompe pas. Il est juste ici. Non. Parce qu'il est là-dedans. Ouais. Même pas. Ouais, il est là. Ah oui, il est là. C'est ça. Attends, on va même éteindre nos piles. Ah. Oh putain. Oh putain. Party. On danse. Donc quand il fait vraiment noir, comme dans le cul d'un ours, c'est pas le test là, parce que sinon on allait crever. Si vous faites le test, ça va arriver avec le cul d'un ours. Ça, si vous savez battre avec un grizzly à main nue. Ça, dans le fond, on est rendu à 31 minutes. Donc, d'après moi, on va être quasiment rendu où l'alien, où là, qu'on va voir l'alien, peut-être. Ouais, peut-être. Ça va être là, on risque peut-être de se rendre jusque-là. Ben, on va peut-être pas l'alien, mais on va voir. La cinématique. Ouais. Peut-être, c'est peut-être, on n'est pas sûr. Ouais. S'il arrête de bas. S'il arrête pas d'avancer, peut-être que ça nous aiderait. Il y a des belles fesses. Ok, des belles fesses. On ne dit pas ce qui se passe, parce qu'on ne veut pas se parler non plus. Non, non. Nous autres, on se comprend. Ouais, ramène la chambre à la chambre. Non. Qu'arrête de papoter là, petit de. Ok, on a vu un petit lag. Un lag sur 360. Mais petit, il l'a pas le lag. Mais c'est pas ce conduit là qui m'a fait dans. C'est au conduit de sa femme. Tout ça, pas moins. Ouais, moi c'est la femme qui fait son. Ah, je vais tout de suite, pas besoin d'attendre Axel. Là. Non, ouais. Ah, bon. Là, dans le fond, on doit aller discrètement dans la salle qui est là-bas. Là, vous devez dire, Étienne, cours. Non, tout le monde, ni ouvrir votre arme de poche. Parce que ce sont des ennemis. On va vous montrer comment les contourner. Parce qu'une fois que vous avez un générateur, il ne faut pas que vous fassiez le chemin. C'est le titre que vous devez aller. Faites ceci. Et là, boum. Et là, boum. Et vous rentrez là-dedans. Attention, est-ce qu'il y a là-dedans? On va arriver ici. Et votre amoureux. Oh, 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 c'est Camelot. Excusez-moi si je sauvegarde, parce que sérieux, c'est vraiment une place pour vraiment que vous sauvegardez, parce que bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Je vais rentrer là-dedans, parce que c'est lui qui veut que je rentre en premier. Puis rendu là, on va peut-être avoir le temps de monter la vidéo que on parle depuis tantôt. Là, ça va travailler là. Non, pas moi. Non, mais tu sais, je veux dire sans l'alien pis tout, là. Non, moi non. Même moi. Non, on rentrerait pas travailler là-dedans. C'est juste en arrière à Sébastopol, le foot propre tout, là. Sans qu'il y ait rien qui va nous tuer, là.
T'as juste les André, même s'il serait gentil que j'aurais pas lui, là, tu sais. Ok. Parce que les robots, on sait jamais. Là, ben, on va essayer de parler parce que là, tu sais, faut quand même qu'on explique une discussion comme ça. Là, on va apprendre à frapper quelqu'un. On lui dire à tienne, quoi, est-ce que tu nous as pas montré ça? Parce que bien sûr, tu sais, je sais comment en faire, donc c'est pour ça que... Et là, bam! Et c'est là que Maxime commence. C'est un truc qu'on attendait tous. Merde! Ok. Là, tout le monde s'est rendu très épique. On vous laisse sur cette cinématique. Ce type. Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? Finir cette boucle là. Donc Axel il se fait tuer par la queue d'alien. Comme vous pouvez le constater, c'est pas au pénis, c'est vraiment la queue d'alien. Hey, vous êtes pas stressé. Pendant tout, tu peux même rester comme ça pendant jusqu'au temps que le gars, jusqu'au temps que le transit arrive. Comme nous autres, on connaît le jeu, efficacement, c'est facile de. Rester calme. Oui, oui. Comme je l'ai dit, la tienne. Bon, t'as peut-être, t'es vraiment à fort de pas checker un arrêt de moi, d'aller de jouer. Je sais ce que c'est le bout, je sais tout ça. C'est pas parce qu'on veut pas qu'on avait, c'est pas parce qu'on veut pas continuer la vidéo, mais c'est parce qu'on va arrêter ça là. Bien sûr, on est quand même rendu, moi, j'ai pas mis une quarantaine de minutes, ouais, peut-être c'est facile. Bien. Ah, même pas, 38 minutes, on arrête au bon moment. 38 minutes de vidéo, c'était sur Alien Isolation, un petit gameplay sur Alien Isolation. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, ben contactez-moi, je peux faire des vidéos sur Black Ops 3, Alien Isolation, ça j'ai déjà fait. On va même peut-être faire un let's play. Donc, un jeu complet pour ceux qui se demandent c'est quoi un gameplay, un let's play. Donc, un puis gameplay, Destiny aussi doit des corrompus, puis... ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble à Destiny doit des corrompus, je peux faire aussi un let's play sur Destiny. Vous me dites quel personnage prend entre un arcaniste, un titan, ben un chasseur, puis moi faire ce let's play là, moi je peux faire. Il y a plein d'autres jeux que j'ai chez nous, j'en ai une bonne pile. Hein. C'est sûr, moi faire des gameplays sur tous les jeux que j'ai. C'est sûr et certain. Des gameplays, des let's play. C'est ça, des gameplays, let's play, n'importe quoi. Donc c'était ça tout le monde. On vous souhaite bonne soirée. Ciao tout le monde. Peace!